Moi, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans différents instituts qui accueillaient des personnes ayant une déficience mentale, des troubles du comportement ou un handicap physique. C'est fou, mais ces enfants vivaient dans ces établissements enfermés toute l'année, entourés d'éducateurs ou de psychiatres. Et pour moi, ça devenait très pesant de voir cette vie d'enfermement. En m'installant dans le Trièves, j'ai décidé de passer le diplôme d'accompagnateur en montagne. Pour moi, aller sur ces sommets, c'était vraiment un rêve. Et en découvrant les grands espaces du Vercors, j'ai compris qu'il fallait agir. Sortir ces personnes de leur institut et leur offrir la liberté de ces espaces préservés. Pour moi, vivre un bivouac sur les espaces vierges du Haut-Plateau, c'est quelque chose que tout le monde doit vivre. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes en montagne avec mes ânes. Et à chaque sortie, c'est toujours une aventure pleine de tendresse et de rencontres. Je travaille sur l'espace naturel du Vercors. Et pour moi, c'est un peu l'équilibre parfait. C'est un des plus beaux endroits que je connaisse. Et amener des groupes là-haut, c'est vraiment des moments uniques.